Le centenaire de Cheikh Anta Diop interroge sur le sens de son vécu. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il inauguré? Que pouvons-nous faire aujourd'hui de son héritage? Depuis sa tendre enfance, il a démarré les deux chevaux. Son papa avait deux chevaux. Et à 11 ans, cet individu, ce petit bonhomme, le papa est parti, il est allé démarrer les deux chevaux. On appelle ça de la précocité. C'est de la précocité. Dans nos cultures, on n'est pas tellement vigilant. Moi, je suis un éducateur, hein, je travaille beaucoup dans les centres de loisirs, je suis formateur, etc. Donc, ces petits détails m'interpellent. Et c'est ce que j'enseigne en Île-de-France. Puisque nos parents, quelquefois, en ce moment, j'ai un thème que j'introduis à Montreuil, où sont les pères, pour que les papas soient vigilants sur les enfants. Comment on accompagne un enfant? Il faut être extrêmement vigilant. Donc, ce jeune garçon a démarré la déchevaux. C'est tout de suite. Puisqu'il n'était pas dans une famille banale, je vous parlerai de sa maman, on a compris tout de suite. À 11 ans, il a assimilé effectivement le Coran. Moi, jusqu'à présent, je ne l'ai pas assimilé. Hein. Et je n'en ai pas honte. Ma sœur me critique chaque fois là-dessus, mais chacun son domaine. Moi, je n'ai pas honte hein, de ne pas assimiler le Coran. Je le lis, je sais un tout petit peu et ça me suffit. Cette découverte, comment dire encore, Cheikh Anta Diop, comme visionnaire, a cherché à comprendre le monde dans lequel nous vivons et a compris que tout ne tournait pas rond. Vous savez que Cheikh Anta a fait une réponse. Il est venu à une époque, mais antérieurement, qu'est-ce qu'on disait de l'Afrique? Je commence par Las Casas, Tabula Rasa, l'esclavage, le vide culturel, etc., etc. Donc quelqu'un me disait, c'est le professeur Tchoub, un des grands historiens, nous disait que, attention, quand vous travaillez sur Cheikh Anta, cherchez à qui il répond. Mais j'ai dit, professeur Tchoub, on ne fait pas une thèse. Hein? On ne va pas chercher tout ce travail-là, parce que sinon, les 30 minutes vont passer. Donc, je respecte ce qu'il a dit, mais je n'aurai pas le temps de parler effectivement de tout ça. Mais Cheikh Anta répondait à quelque chose. Ça, il faut le savoir. Il répondait à un moment de l'histoire à des gens qui ne nous avaient pas considérés et qui avait voulu privilégier un autre monde. Et il a dit non. Il a dit non. Cheikh Anta, c'est ainsi qu'il s'est lancé en quête d'une vérité productive. L'antériorité de la civilisation nègre, et tu l'as dit dans ton introduction, et le jeune homme aussi l'a dit dans son introduction. C'est une bombe. Cette information est une bombe. Parce qu'on venait de nous dire que nous ne savions rien, que nous n'étions rien. Et lui vient démontrer l'antériorité de la civilisation nègre à partir d'un lieu géographique, l'Égypte. C'est tout un débat, il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas... Les théories de l'Égypte comme centre, il y a beaucoup d'autres centres, l'Asie, etc. Mais c'est très compliqué, on ne va pas entrer dedans. Mais parlons seulement de cette bombe. Et que les intellectuels occidentaux ont dit, mais c'est un malade, c'est un fou. Et la preuve, on l'a combattu. Pour moi, Cheikh Anta est le Socrate de son temps. Et quelqu'un l'a dit, je pense que c'est le jeune homme Ousseinou, qui l'a dit, hein, la liberté de la presse et de la pensée, c'est aussi Cheikh Anta, hein, c'est aussi Socrate, quand on va très loin, 2500 ans avant. C'est aussi simple que cela. Moi, j'ai fait des filiations, mais c'est ça. Continuons. Alors, je fais beaucoup de digressions, mais je vois que M. Dia va me sanctionner si je dépasse mes 30 minutes. Pour vous dire que certaines expériences, par exemple, sur l'antériorité de la civilisation nègre, il y a eu des expériences il n'y a pas longtemps, par exemple, dans cette salle. Cette dame blanche sera plus proche de notre ami que moi de vous. Ces expériences existent en ce moment. Ils ont mis dans une salle des gens, une diversité des gens, et effectivement, avec l'ADN à parler, et ils ont retrouvé effectivement ce que Cheikh Anta disait avec le gène. La géographie a fait qu'il y a eu des mobilités, les gens ont changé de lieu, et la dépigmentation, effectivement, les gens s'adaptent au contexte géographique, etc. C'est du Cheikh Anta. C'est aussi simple que cela. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous sommes tous parents et nous sommes tous frères. C'est une dimension philosophique extrêmement intéressante sur les liens entre les individus. Et Khadim le disait très bien,
Cheikh Anta n'est pas raciste du tout, etc. Parce qu'on a voulu, avec l'idéologie, dire c'est un raciste, etc., etc. Non, il n'a pas le temps de ces petits salam alaik. Non, il va à l'essentiel. L'Égypte, matrice des cultures africaines, la rouverte scientifique et militairement, je vais très vite, hein, parce que j'ai envie de boucler les 30 minutes et ne pas abuser de mon temps et avoir le privilège d'entendre une troisième fois Hamzat. Redécouverte scientifique et militairement par l'Europe avec l'expédition du général Napoléon. Attendez, hop. En 1960, à la Sorbonne, il finit par... quand il avait présenté son premier sujet, on lui a refusé. C'était un sujet où, ce qu'on appelle un sujet polymathique, il y avait différents domaines. À l'époque, à l'université, on ne pouvait pas convoquer ou réunir un jury pluridisciplinaire. Mais je vous dis, c'est un cas social. C'est un cas. Il y avait de la philo, de la sociologie, des sciences pures et dures. Eh bien, non, on ne pouvait pas. Donc, on lui a refusé. Mais c'est quelqu'un de résilient. Il est allé travailler encore. Et il a reconditionné son sujet et il a pu le soutenir. Même en le soutenant, je le dis rapidement, on lui a donné juste la mention honorable. À l'époque, honorable, ça veut dire tout simplement, vous serez chercheur et pas professeur. Et c'est là qu'il a eu un souci avec Senghor qui l'a beaucoup embêté. Rapidement, hein, c'est des petites choses que vous connaissez très bien. Mais c'est important de le dire à l'époque, comment effectivement on a embêté cet individu-là parce que tout simplement, il dérangeait un ordre établi. Quand vous dérangez un ordre établi, on ne vous ménage pas. On ne vous ménage pas. J'ai rencontré la femme de Cheikh Anta Diop à Ivry en 2003. Mes amis Al-Fassi sont venus faire une conférence sur un ouvrage et ont critiqué Cheikh Anta Diop sur l'égyptocentrie. La vieille dame entre et ne se présente pas. Et je suis un modérateur qui n'est pas très gentil quelquefois et je lui dis « Qui êtes-vous ?» C'est normal quand je donne la parole. Elle refuse. Mais comme je suis un disciple de Amadou Ampateba, j'ai accepté qu'elle parle, etc. Et à la fin, elle se présente parce que l'ambiance était bonne, on l'avait bien accueillie. Je suis la femme de Cheikh Anta Diop. Louise Maïs. À Ivry-sur-Seine. Et après... Elle fréquentait une amie, Marie-Jo Bourdin, que je fréquente ici. Ils ont pris l'été souvent à Ivry-sur-Seine. Je connais très bien là où elle habitait. Une femme formidable. Il y a 2 ans, pour dire, parce que le sujet qu'on m'a proposé, c'est de montrer effectivement 100 ans qu'il est avec nous, toujours. 100 ans, il est avec nous. Mais je ne voulais pas parler des 100 ans, mais je parlerai des moments, tout simplement, de ces 100 ans. Il y a 2 ans... Des jeunes maliens, des cadres maliens m'ont sollicité pour les accompagner dans une série de conférences intellectuelles. Parce que vous savez, et je pense que Ousseynou l'a dit aussi, il y a une crise de connaissances dans nos... J'étais avec un jeune aujourd'hui et je lui dis « Est-ce que tu connais Cheikh Anta Diop ?» Il a eu l'honnêteté intellectuelle de me dire « Non, ce n'est pas grave du tout. C'est à nous de passer le témoin, de leur dire qui est Cheikh Anta Diop et c'est ce que vous faites ici et c'est en cela que c'est intéressant. » Donc ces jeunes-là, je les accompagne sur Cheikh Anta, toujours en leur disant, je ne suis pas un spécialiste de Cheikh Anta, mais je peux en parler longuement. Voilà, on fait ça. Ensuite, l'université d'Evry, mon ami Abdul Ba me dit, pape, j'ai envie d'organiser une grande conférence dans une université française. Parler de Cheikh Anta, ça n'est jamais arrivé dans une université française. Il y a eu des choses qui se sont faites au CNRS, des séminaires, etc. Mais dans une université française, jamais. Et Abdul m'a demandé de lui trouver effectivement des intellectuels. Je lui ai trouvé des noms, etc. Il s'est très bien débrouillé et il a fait une excellente... ça a été un succès à l'université. Ça marque encore sa permanence. Il est parti. Mais l'université voulait savoir qui était cet homme, qu'est-ce qu'il nous a apporté. Cheikh Anta, comme je le disais, entame une enquête sur la linguistique aussi. Son premier travail universitaire, c'était travailler sur la langue. Mais pourquoi la langue ?
Je n'avais jamais réfléchi sur ce sujet-là. Je savais tout simplement que la langue était effectivement un véhicule d'une culture. On le sait très bien, ça, c'est le béaba. Mais en l'écoutant sérieusement, il nous dit, imaginez tout simplement qu'un programme politique soit dit en français ou en anglais. Mais comment voulez-vous que le pauvre citoyen du village puisse comprendre le programme et choisir son homme en conscience? Il dit, enseigner dans une langue est un acte démocratique. Comprendre une langue est un acte démocratique. Et le papa de M. Dia fait partie de ces gens aussi qui ont codifié le Wolof. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas, il est modeste comme son papa, mais cette modestie-là, on va l'effacer parce que moi, je vais essayer de promouvoir tous les travaux de son papa depuis Paris, parce qu'il faut le connaître. Il est ici à Grenoble. Hein. Il faut l'inviter pour qu'il vienne vous faire des conférences. Hein. Vous avez des talents à Grenoble. Donc la langue est extrêmement importante pour la démocratie et pour la compréhension de soi et des autres. Et sur Hanta, il y a eu un débat extrêmement costaud sur effectivement quelle langue faut-il utiliser. Il y a eu pour parler encore de la permanence de Cheikh Hanta, le débat qu'il y a eu entre le professeur Souleymane Bachir Gagne, qui a été mon professeur aussi de jeunesse, et Boubacar Boris Diop, que vous connaissez. Alors, ces deux intellectuels, quand ils s'affrontent, on pouvait juste s'arrêter là pour parler de l'actualité de Cheikh Hanta Diop, parce que mais toute la presse mondiale en a parlé. Quand Souleymane Bachir Gagne parle d'un sujet, c'est le monde qui bouge. Il fait partie des 20 penseurs du monde, des 20 grands penseurs du monde, ceux qu'on écoute. Boubacar Boris Diop n'en est pas un petit. Hein. C'est celui-là qui s'amuse à écrire en Wolof, à traduire des textes en Wolof, etc., etc., à développer véritablement la linguistique, comme notre ami le professeur Sahir Thiam, qui a traduit des textes mathématiques extrêmement costauds. Sahir Thiam. Mais toute cette lignée-là s'origine chez Cheikh Hanta Diop. On parle de la présence de Cheikh Hanta Diop parmi nous. C'est de ça donc que je pointe. C'est ça que je veux pointer, c'est ce travail de stromate, des stromates que je veux vous dire ici. Cheikh Hanta soutient et défend avec brio la thèse, sa thèse de doctorat, ça j'en ai parlé. Souvenez-vous plus haut qu'il disait que l'Égypte ancienne était noire. Pour savoir qui est noir, il faut investiguer. Et donc, cet outil va ausculter, diagnostiquer les momies. C'est là qu'il a trouvé, effectivement, avec le laboratoire de carbone 14 qu'il a mis sur place et qui a été aussi l'objet de malentendus entre Souleymane Bachir Gagne et Boris, et Khadim a réglé la question, a dit c'est un malentendu, et ça convoque la notion de traduction. De traduction. C'est un malentendu. Mais le professeur Djibril Sam a réglé la question ici, où il a démontré que Cheikh Hanta, seul, avec deux assistants, ont monté le laboratoire de carbone 14. Moi, je n'en discute plus. Je suis un élève de Djibril Samb. Je ne perds pas mon temps dans des discussions puériles. C'est le professeur Djibril Samb qui m'a appris ça. C'est consigné-là. Il l'a consigné dans un autre manuel, les intellectuels, dans un autre manuel extrêmement costaud. C'est celui-là. Figure du politique et de l'intellectuel au Sénégal. Sur le laboratoire. Donc, ce n'est pas à débattre. Pour nous, ce n'est pas à débattre. Je pense que c'est un malentendu. Hein. Ce sont les gens de la presse qui ont voulu, comme on dit en Afrique, souk-souk, la nuit souk-souk. Hein, souk-souk pour attiser le feu et faire du buzz, etc. Ça seulement, ça marque la présence, effectivement. Mais une bibliographie monstrueuse sur Cheikh Hanta Diop. Et Hamza, je crois, si je me trompe, dites-moi, vient de diriger une collection. C'est mon ami Sako Madi qui me l'a soufflé. Et là, vous trouvez une bibliographie extrêmement pertinente. Et Nascimento a fait une fiche de lecture sur une dame que j'aime beaucoup, Madame Tal. C'est ça.
Très bien. Donc, si je me trompe, il va me dire, Monsieur Sebo, tu dérailles. Hein. Jusqu'à présent, je n'ai pas déraillé. Bien, on continue. Selon le professeur Gibril Sand, l'histoire de l'Afrique noire est écrite avec des dates aussi sèches, dit-il, que des comptes d'épiciers, sans que l'on ait presque jamais cherché à trouver la clé qui ouvre la porte. Je vous ai dit tout à l'heure, cher Hanta, réglez des questions. Et quelqu'un lui dit, mais pourquoi, cher Hanta, tu te bats aussi de façon féroce? Il dit, je suis venu à mon époque. Et chaque époque, il y a comme un messie. Comme un messie. Et donc, la tâche redoutable lui revenait effectivement de défendre la position de l'Afrique et, comment dire encore, de déconstruire tout ce qui a été dit pour reconstruire, avoir une fondation. Le professeur Gibril Sand nous travaille comme ça. Tout son travail d'érudition, c'est pour nous donner une fondation sur laquelle nous allons partir. Regardez Gibril Sand, vous verrez qui il est. C'est lui qui a travaillé sur les concepts africains. Les concepts africains, c'est lui, on n'en avait pas. Il a tout codifié. Il a pris tous les philosophes, tous les scientifiques africains, et il a conçu effectivement un lexique, tout simplement, pour que les Africains puissent effectivement se hisser à partir de là. Cher Hanta, c'est cette fondation aussi qu'il nous a donnée et que nous devons poursuivre. La permanence, je vous ai parlé de Omotunde, que je salue beaucoup, parce qu'effectivement, il a contribué à vulgariser effectivement les travaux de Cheikh Hanta. Je ne parle même pas du professeur Théophile Obenga, tout le monde sait ce qu'il a fait. Tout le monde sait ce qu'il a fait pour son mentor, et lui-même, il continue à faire. Les différents colloques où il a accompagné son maître, où il a défendu bec et ongle son maître, voilà. Hein, ou par exemple, vous vous souvenez le colloque de 1974 où effectivement il était question mais de déchiqueter, vous savez, un pitbull. Le pitbull, quand il a faim, il déchiquette. On voulait déchiqueter Cheikh Hanta et Théophile Obenga. Mais ceux qu'on a convoqués étaient spécialistes de petits domaines. Alors les organisateurs étaient déçus, complètement déçus. Parce que le premier jour, mais le lambe au Sénégal, vous savez, les gros lutteurs là. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Les organisateurs étaient tellement déçus que le combat ne soit pas à la hauteur des attentes. Parce que Théophile et Cheikh Hanta, mais ont donné une raclée aux universitaires venus de partout pour défoncer tout simplement Cheikh Hanta. Mais ils ont résisté. Mais cela est-il suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que nous devons continuer effectivement ce travail-là. J'ai parlé de l'école de Grenoble pour parler de la permanence, effectivement, des idées de Cheikh Hanta Diop. Ils ont écrit un manuel qui s'appelait, effectivement, Libdip Wolof. Libdip Wolof. Ah, parfait. Oh, parfait, parfait. Venez, Monsieur Dia. Bienvenue, Monsieur Dia. Je vous salue. Voilà, je vous salue. Je vous salue. Content de vous voir. Content de vous voir. Je vous ai déjà cité. Peut-être que je vous citerai à nouveau sur les travaux que vous avez faits. Félicitations. C'est parfait. C'est parfait. Je disais qu'il allait me contrôler. Hein. Même quand son papa est là, hein, il me contrôle. Ouais. C'est très bien. La permanence aussi de M. Hanta Diop, c'est aussi la jeunesse. Regardez la jeunesse, tout simplement. Et l'œil du sociologue. Ce qu'on appelle l'antériorité de la civilisation noire par les images. Il y a un texte ici qui n'est pas très, très connu du grand public. Monsieur Dia, lui, connaît ça, pas de problème du tout. Voilà. Et quand vous regardez les images ici, regardez les réels que vous avez. Vous connaissez les réels, les jeunes là, hein, il y a des réels. Vous voyez dans les coiffures, dans les habits, dans la symbolique des tissus. Regardez ce qui se passe. Ce sont des détails. Mais ce sont ces détails-là qui montrent que l'Africain est en train de renaître, de reprendre sa place, puisqu'on nous avait marginalisés. Quand je vais dans les banlieues parisiennes, les enfants ont honte de ça. Ils ont honte de certaines choses. Mais quand, effectivement, on leur montre effectivement ces symboliques-là, les symboliques Adinkra, par exemple, le Swahili, etc., qui sont des symboles extrêmement très, très jolis, l'oiseau Sankofa,
qui sont effectivement des sagesses africaines. Mais ils sont fiers. Pourquoi ils sont violents, nos enfants? Parce qu'ils ne savent pas. Parce que tout simplement, il y a un chaînon manquant dans la transmission. Quand quelqu'un ne sait pas, il est méchant, il lui porte la main. Cheikh Anta n'est pas un violent. Il le dit très bien. Et il dit même, comme éducateur, quand vous êtes un éducant, vous discutez avec votre ennemi, laissez-lui une petite partie pour qu'il puisse échapper. Parce que si vous le contraignez, le débat est fini. C'est pour vous montrer sa générosité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il ne vous frappe pas comme le boxeur, vous savez, le MMA, là, que je n'aime pas du tout, là, il vous défonce. Là. Il laisse, Cheikh Anta, c'est son éducation, il laisse une marge pour que l'individu puisse avoir une issue de secours, de sortie. Et ça, c'est de la finesse et c'est de l'éducation. Un clin d'œil, regardez ce qui se passe dans nos pays en ce moment. Ce sont les insulteurs qui sont suivis. Regardez tout simplement ce que je vous dis et faites le parallélisme avec la réalité concrète qui se passe au Sénégal. Si on écoutait Cheikh Anta Diop, mais on allait faire de la politique saine, contradictoire, mais pas de coups de poing, pas d'insultes, etc. Écoutez bien Cheikh Anta, c'est ce qu'il a fait. Mais Senghor l'a traîné dans la boue. Mais il a toujours eu du respect pour Senghor. Toujours. De l'élégance. Mais ça, c'est le savoir qui le fait. Et il sait très bien ce qu'il devait dérouler. Parce que s'il passait son temps à répondre à Senghor, il n'allait pas continuer, il allait s'arrêter. Parce qu'il bloquait, il le bloque dans son élan. Lui, il a envie de proposer. Et tout ce qu'il voulait, c'est que les jeunes comprennent. Et c'est là qu'il a aussi initié, effectivement, vous savez, le développement populaire, quand il envoyait les jeunes dans le monde rural. C'est Cheikh Anta qui a mis ça en place. Les jeunes qui sont formés en mathématiques, en philosophie, qui sont pointus, il leur dit pendant l'année, les vacances, vous allez aller dans les maisons, chez des paysans, pour apprendre. Mais c'est Cheikh Anta Diop qui a initié ça. Et quand j'ai fait des recherches, Enda Tiers-Monde l'a développé aussi. On envoie des jeunes, mais ça veut dire quoi? L'intellectuel doit connaître le terrain. Mais bien souvent, nos intellectuels, moi je passe tout mon temps à critiquer les intellectuels. Moi je suis un intellectuel qui a plus d'une dizaine de petits diplômes. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi c'est l'encyclopédie quand je veux pouvoir discuter avec n'importe qui. Je travaille beaucoup sur la médecine, je suis philosophe. J'enseigne à Paris 5 la violence, etc., l'anthropologie médicale clinique. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est tout simplement pour pouvoir conseiller, orienter et transmettre. Je vais terminer. Ça, c'est une lecture qui me donne 5 minutes, je termine. Et je vais terminer tout simplement par mes amis camerounais, véritablement qui ont fait un travail monumental. J'aurais dû demander à M. Diad de me donner une heure, mais ce n'est pas possible. Oui. La prochaine. Très bien. Je voudrais terminer, et après les questions-réponses, on essaiera d'aller plus loin. Terminer par un poème aussi qui dit ceci, « Les morts ne sont pas morts. Hein? » C'est de Birago Diop. Ils sont dans le vent, etc. Donc, Cheikh Anta n'est pas mort, il est parmi nous, et c'est important de le dire et de le redire. Il est toujours présent. C'est le Cameroun qui a beaucoup su gratifier Cheikh Anta. Il est sénégalais, mais les meilleurs sont les Camerounais. Les meilleurs qui ont véritablement porté Cheikh Anta, c'est les Camerounais. Et voici ce qu'un grand poète disait. Le président de l'Association des poètes camerounais avait souvent échangé avec Cheikh Anta et il nous le rapporte en souvenir. Il y a quelques jours, je te demandais comment tu as pu acquérir tant de connaissances, te soumettre à tant de disciplines rigoureuses et tu m'as répondu, je suis un produit de l'histoire. Au moment de ma vie, il fallait bien que quelqu'un pour affronter tout cela, pour parvenir à une synthèse. Ce fut moi, je n'y peux rien, je n'y suis pour rien. Et il disait aussi, je ne suis pas important. C'est l'Afrique qui est importante, c'est l'humanité en progrès. Si quelqu'un devra prendre le flambeau, c'est quelqu'un apprendra et il sera suivi. Je dois continuer ce dialogue entre Cheikh et M. Koum. Avant de s'éteindre, Cheikh, toi tu m'exhortais à redoubler d'ardeur, à braver les coups d'une Afrique qui se cherche.
toi qui m'invitais à rassembler les bonnes volontés pour un avenir glorieux, est-ce toi qui es plus, cher Anta Diop? Et pourtant, tu m'assurais que tu te dresserais là comme une muraille pour nous protéger, nous tous, tes frères, pour peser de ton poids, pour que la science gagne l'Afrique. L'Afrique entière et sans l'homme politique de son piédestal n'en prenne ombrage, n'était-ce pas notre dernier entraîné. Tu avais promis et que tu reprendrais ton bâton de pèlerin et tu ajoutais cette tâche, j'ai voulu l'amorcer, mais elle est à vous, jeune savant. Et M. Comte de lui demander, mais qui prendra la relève? Cher lui répond, non, l'Afrique va s'en sortir, tu verras. Alors, c'est une critique que j'ai faite là, l'Afrique ne s'en sortira pas ainsi. En philosophie, on appelle quelque chose la conscience citoyenne. J'ai eu des débats avec de grands intellectuels à Paris. Je nomme les Felwine, Achille Mbembe, de grands savants, très forts. Quand ils parlent de l'Afrique, ils oublient que la mentalité est importante. Nous avons beau avoir des idées, si vous ne savez pas transformer l'idée, ça ne vaut rien. Vous avez des ressources humaines. Si vous ne pouvez pas vous organiser, travailler ensemble, fédérer les compétences, avoir confiance en vous, vous n'aurez rien. Et vous voyez, là, je suis excité. C'est mon enseignement. Je suis péremptoire. La mentalité est d'une importance capitale dans le développement. C'est ce que j'enseigne dans les banlieues parisiennes. Si vous ne croyez pas en vous, vous n'irez pas loin. Cher Anta, féministe, je termine par là parce que je le sens, féministe, respect de sa maman, je vous l'ai dit. On dit derrière un jeune homme comme ça, il y a une maman dure. Non, ce n'est pas une maman dure, c'est une éducatrice qui formait la personne. Allez voir tout simplement Amadou Ampateba, comment on ne forme pas un individu, mais une personne. Une personne, on l'a construit. Et donc la maman de Cheikh Anta l'a insufflé effectivement le respect de la femme. Et notre amie, cette dame, nous rapportait quelque chose en disant, elle était invitée chez Cheikh Anta, deux femmes, elle et la femme de Cheikh Anta. La femme a apporté le repas. Et qu'est-ce que Cheikh Anta a fait? Parce qu'elle dit, d'habitude, M. Dia s'assoit, sa femme est là-bas, elle dit, l'eau est là, hein? Donne-moi l'eau. Madame hoche la tête, je pense qu'elle est d'accord avec moi. C'est ce que les Africains font en général. L'eau, elle est là. Hein? Bien, madame, ma femme, donnez-moi l'eau. Cheikh Anta s'est levé pour aller servir. Mais c'est ce que nous faisons maintenant. Nous partageons parce que nos femmes travaillent, le monde a évolué. Donc c'est l'un des premiers féministes, celui qui a respecté les femmes. Et il l'explique très bien aussi dans sa théorie du matriarcat. Je vous ai dit, je ne vais pas entrer dans ses profondeurs, dans la théorie du matriarcat. Il l'explique très très bien. Mais ça s'origine très loin. Mais un fait qui est là et palpable, c'est tout simplement, lui a développé cette idée-là et lors d'une conférence, c'était une élection présidentielle. Cette dame lui dit, cher, quand tu vas à Thiès, n'oublie pas de parler des femmes. Il a changé son propos, il n'a parlé que des femmes. Et cher, les jeunes militants lui disaient aussi, cher, tu es notre représentant, habille-toi correctement. Je prends des petites anecdotes comme ça parce que j'aime bien quand une conférence est un peu lourde, qu'on plaisante. Il avait des sandales et des chaussettes. Et ils ont missionné cette dame, parce que Cheikh Anta écoute les femmes. Et quand il lui a dit, la prochaine fois, il a mis des godasses. Hein. Il s'était bien habillé. Et après, il dit, c'est elle qui m'a soufflé ça. Excusez-moi, je n'avais que 30 minutes. Merci au professeur Sissoko. Il termine avec une grande dame, cette maman de Cheikh Anta Diop. Permettez-moi de saluer la mienne, ma maman, Madame Rayaka, qui est là, professeur d'espagnol, à côté de mon père, le docteur Pape Amadou Dia, auteur d'une thèse sur le Wolof, ici à Grenoble. Et
Je suis particulièrement heureux d'être à côté de deux grands intellectuels qui comptent dans la pensée, pas seulement africaine, mais dans le savoir actuel. Avec le professeur Sissoko, on a emprunté les ailes de la philosophie. Avec Hamzat, nous allons aller dans la profondeur de l'histoire. Voilà. Merci.